J'y pense là. À la forme comme Oriane qui a maillot, comme elle est traitée. Et le monde entier doit voir cette vidéo. Je vais partager sur mon mur pour que le monde entier voit ce qui se passe. Et il nous pousse à la guerre civile. Parce que moi, si j'étais à Mayotte, jamais je vois certains trucs pareils. Si j'avais vu cette vidéo, j'aurais cherché cette dame, on aurait bagarré, je sais pas. Mais là, il nous pousse à la guerre civile. On ne peut pas accepter n'importe quoi. Et les Maoris, ils sont bliqués. 30% de la population comorienne sont françaises. 30% de la population comorienne a la nationalité française, ils résident partout. Ça se peut, cette dame, elle a la nationalité française. Ça se peut, cette dame, elle a une carte de résidence. S'il a monté dans un bateau, c'est qu'elle a des... Elle a une carte. Il a... Comment on peut traiter une femme comme ça? La femme, elle est assise là, elle n'a rien dit. On le traite, on l'insulte jusqu'à lui dire, il faut les jeter à la mer. Poussez-la, il faut le noyer à la mer. Non, le gouvernement, comment il faut que vous réagissiez? On ne peut pas adhérer ça. On ne peut pas accepter ça de 2023. Accepter qu'on nous traite comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. J'ai pensé à les enfants de cette femme, ok? Je pense à les enfants de cette femme qui ont vu cette vidéo. Moi, je ne connais pas cette femme. Je ne connais pas cette femme. Je veux juste une femme, l'âge de ma tante, qui est assise dans un bateau, qui va aller quelque part. Et des femmes qui le méprisent, qui l'insultent comme ça, qui les traitent mal comme ça. On ne peut pas accepter ça de 2023.